Salut à tous, c'est Doudzi. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Iskar pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous apprendre la marche au pied et non pas à monter aux arbres. On le fera plus tard quand vous serez plus nombreux à regarder ces vidéos. Et il me semble plus utile d'apprendre aux chiens à marcher au pied avant de monter aux arbres. Voilà, allez, jingle. Tout d'abord, il faut que le chien il soit calme, il ne faut pas qu'il soit en excitation ou prêt à jouer. Donc il faut calmer votre chien, vous lui donnez l'ordre qu'il doit assimiler, donc Iskar au pied, hein. Donc son nom avec l'ordre, Iskar au pied. Hein. Une fois que votre chien est calme, donc vous allez partir tout doucement au pied. Et là, vous voyez, bon, là elle est... Elle n'est pas calme. Iskar au pied. Au pied. Au pied. Au pied, j'ai dit. Au pied. Et si elle part trop, donc là, en fait, j'ai fait exprès de l'exciter. Elle a envie de jouer. Pour vous montrer le cas si votre chien n'est pas habitué à marcher au pied. Au pied. Si elle part trop, au pied, vous vous arrêtez. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle revienne à côté de vous. Au pied, là elle commence à s'avancer, hop je tourne, au pied, c'est bien au pied, toujours féliciter le chien, c'est bien au pied, au pied, au pied, c'est bien au pied. Au pied, c'est bien au pied, au pied, c'est bien, stop, assis, et vous vous arrêtez, vous laissez votre chien se calmer, et vous faites ça plusieurs fois dans la journée. Voilà la technique que j'ai enseignée à mon chien pour qu'elle marche au pied. Maintenant je vais vous montrer la vraie marche au pied une fois qu'elle est calme. Ciao ciao. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut éviter que la laisse soit tendue, donc il faut que ça fasse un arc de cercle comme ceci pour éviter de mettre en tension le chien, on voit qu'il soit énervé. Donc vous laissez un arc de cercle et normalement ça devrait aller, et dès que la laisse commence à se tendre, hop, vous tirez sur le collier. Le mieux c'est un collier étranguleur comme ceci, à pointe s'il obéit pas très bien, mais juste étranguleur ça devrait suffire. Voilà, alors au niveau de la casquette que je vous avais parlé, donc celle-ci,
Donc pour gagner cette casquette, c'est très simple, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Iska Malinois, mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, mettre un plus 1 dans le commentaire et je prendrai contact avec vous pour gagner la casquette avec la race et le nom de votre chien. Voilà, j'espère que ça marchera. Allez, merci. J'ai dit que je la ferai gagner dans cette vidéo. Alors si la vidéo atteint les 1000 vues, c'est pas grand chose, vous pouvez le faire. Une vingtaine de likes, laissez un commentaire, abonnez-vous et je la ferai gagner à un de vous qui a laissé un plus 1 en commentaire et qui est abonné à la chaîne. Voilà, après je prendrai contact avec le gagnant pour l'adresse et je l'enverrai en adresse email. Allez, c'était Iska Malinois, à la prochaine, au plaisir, ciao.